T'as en vue, Captain. Et ça y est, on arrive à Devil's Reich. Et bienvenue tout le monde, c'est Rev 11000 et bienvenue sur mon sloop. Un petit sloop presque de guerre avec deux canons. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est violet? Pourquoi c'est tout pété? Bon, c'est violet tout pété. Donc, bah, go Devil's Reich, hein, c'est un petit peu long. Après, c'est fait un petit peu long parce que je me suis un petit peu paumé, c'est pour ça que je suis plein or en fait. Je me suis un petit peu paumé parce que je suis un boulet. Où est-ce qu'on est? Faut que j'aille au nord-est. Nord-est du bestiau, donc on va partir un peu sur la droite. On est en plein vent, ça devrait bien se passer, on verra bien. De toute façon, on va là-bas et après on voit l'avant-poste qui est juste derrière. On chope le coffre, on se barre le ventre et on s'arrêtera là. Pour nos trois premiers épisodes de Sea of Fame. Faudra que je fasse les miniatures aussi, c'est vrai. Ouais, jolie l'île de Devil's Reach. Ouais. Ah bah je crois que je vais avoir assez d'épisodes pour tourner un moment, moi. Là. Avec Sea of Thieves, ouais, il y a quelques petites choses à faire dessus. Vu mon talent... Ah oui, si vous avez le jeu, n'hésitez pas à m'envoyer un... Ah merde, comment... Ouais, rov11000@gmail.com. C'est mon email pro, l'email pro YouTube. Donc, si vous voulez, vous pouvez me rejoindre sur Sea of Thieves, envoyez-moi un truc ou je sais pas ce que vous voulez. N'hésitez pas. Dès que je le vois, il faut juste que je retourne sur ma boîte mail et puis c'est tout. Dès que je le vois, on est bon. Oui, il y a un truc là. Jetez l'ancre. J'ai entendu un bruit bizarre, j'ai touché? Ok. Non, je veux toucher. Je crois que j'avais touché. Non, je m'en fous de ça. Le truc que j'ai eu, c'était juste un cochon en fait. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Donne le poulailler. C'est ça. Le cochon, vous voulez donner un truc au cochon? Ah, ramasse le cochon, il est un an on dirait. Je me suis. Je sais pas comment les chope. Ah oui, c'est, il faut que je prenne avec un poulailler. Bon, c'est chiant parce qu'il faut que je chope avec la banane, que je le force à rentrer dans le poulailler, que je le ramène. Parce qu'un cochon zébré en or, ça peut rapporter du pognon. Hein. Parfait. Ouais, je sais, je papillonne, mais moi c'est ce jeu. Il est parti où le bestiau? Où est-ce qu'il est parti? Pour l'instant, moi je vais me faire couler. Il y aura un navire qui va arriver qui va me couler complètement. Et là, ça va être la merde. Comment on les chope les cochons? Ah non, pas comme ça. Ouais, bah j'ai essayé un truc. Je me suis dit peut-être que quand ils sont morts ça va mieux, mais non. Ah, ça va pas mieux. Bon, avec ces conneries. Nord-est. Un boussole. Nord-est.
Sur la plage entre deux cailloux. Hey, le talent est présent, hein. Le talent est présent. Merde, par contre le talent... J'ai pas touché à cette distance là, t'es sérieux? C'est bon? Ça y est, les caprices des squelettes? Apparemment. Putain, juste pour un coffre du maraudeur qui vaut 50 balles, sans déconner. Vous avez éliminé un croquette. Ah! Nice! Oui, oui, c'est vrai. Même les squelettes bouffent des bananes pour ce heal. Oui, ben. Microsoft. Oui, donc si vous débutez comme moi, je vous déconseille de faire des trucs des animaux, c'est trop chiant. Ça, c'est mieux. Il se passe plus de trucs. Il est où? Ah, il est là. Bon, ça va. Chavache. Bon bah go plein nord pour le l'avant-poste et puis on s'arrêtera là. Ah mais putain mais ça je n'y arriverai jamais. Je sais que c'est la poulie qui est à l'arrière pour le tourner mais bon. Putain, par contre, je suis déçu, j'ai pas eu le gros poisson, les gros poissons. C'est la première île? Ouais, bon, c'est elle, on est arrivé en fait. Putain, ces plantes rouges, on les voit de loin. Ah ben, je crois que la prochaine vidéo, on sait ce qu'on fera. Ce sera pas aujourd'hui, hein. Je pense que je tournerai pas ça aujourd'hui. Par contre, on ferait mieux de s'équiper de des munitions. Et on va passer sur le tremblant pour protéger le coffre. Putain, il y a... Ouais, c'est une grosse action. Putain, la roue d'item, par contre, ça, j'ai du mal à m'y faire. Ça, on dirait qu'il y a personne. On va aller à la vigie. Putain, ça lag encore. L'échelle, tu veux bien? Merci. La vigie. Oui. Ça, c'est juste une maison. Pas l'impression qu'il y a un voilier qui se traîne. On descend. Et merde. Aïe. Là, bon, on prend un petit tour. Ah, ouh, putain, la taverne elle est tellement loin par contre. On prend un petit tour à l'avant-poste. On verra ce qu'il y a à faire de sympa. Non, c'est juste des coffres, c'est pas intéressant, c'est juste des tonneaux qu'il y a là-bas en fait. À moins que.
À moins que, à moins que, à moins que. Oh non, 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 non. Eh. Bon, je sors pas de là, mais bon. Bien garé. Putain, je suis bien garé. Je crois que c'est la première fois que je me gare aussi bien. La tente du glandu, où est-ce qu'elle est? Putain, elle est en haut. Non? Non? Ah non, elle est là. Non? Mais elle est où la tente? Ah, elle est là. Toi, t'as quelque chose à me faire faire? Wilma. Ah, l'armurière. Ouais, non, je m'en fous de ça, en fait. Complètement. Bon. Toi, tu dis quoi? Le 11 et le 20. Et on est le combien? Juste pour savoir, on est le combien? Le 26. Ouais, super. Toi, t'as un truc pour moi? Seeing you brings me joy. J'aurai la clé de votre existence. Hein, ah, c'est quoi ça? Ben, au prochain épisode, on fera ça. Trop bien. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merde. Mauvais bout de temps. Et ben, bye bye les gens. C'était vraiment 11 000. Non, pas ça que je voulais faire. Hop. Non. 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 Bon. J'aurais pas de musique triste pour dire au revoir. Allez, bye bye les gens.